développer une forme d'empathie pour les habitants de Cerconos. La peur de la guillotine a toujours été une excellente motivation pour les souverains. Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour le 30e épisode. Nous sommes sur du Dishonored 2. Oh la vache. Waouh, comme d'hab. Je me suis fait gaffe qu'on le voyait d'ici. Enfin, jamais percuté en tout cas. Et on est parti, il est minuit 2, nous sommes le 15. Vous serez à la hauteur ? Oui, bah oui, bien sûr. J'ai visité des dizaines de châteaux et des centaines de manoirs un peu partout, et ils se ressemblent tous. Ouais. Le palais du duc ne peut pas être pire que les après-midi mondains de Lady Brisby. Assassiner le duc Abel n'est pas une fin en soi. Vous devez aussi découvrir ce qu'il garde si précieusement pour Delilah. Son âme. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert dans le manoir de Stilton, et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère? Mais quand vous serez à l'intérieur du Grand Palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaca. Ne l'oubliez pas. Ben oui. Tous ceux qui osent s'interposer entre le duc Abel et moi vont le regretter. Je les tuerai tous, jusqu'au dernier. Ok. Eh bien, c'est parti. Désolé. Un Grand Palais. Ce colloque. J'espère que j'ai pu vous être utile, oui. D'une façon ou d'une autre. Oui. C'est réconfortant pour quelqu'un de mon âge. Ok. Bon, on va aller sur le... Voilà, ici. Tiens, d'ailleurs. Les opprimés, les pauvres et les oubliés. Non, il n'y en a pas. Les miséreux, les mendiants et les orphelins. Oui, on s'en fout. Parle pour eux. Ouais, on s'en fout. Tout est prêt pour votre visite chez le duc ? Oui. C'est bon, on y va. C'est bon. Ah oui, c'est du chargement. Allez, mon petit pépère. Le Grand Palais, on est au chapitre 8. Oui, on peut y aller. Le duc vit en permanence avec sa doublure. Un sosie censé tromper les assassins. Une amie qui travaille à la lingerie m'a dit que son sosie fumait, si ça peut vous aider. Oui. Vous devriez peut-être essayer de lui parler. Elle a dit que c'était un brave type. Se faire passer pour un tyran comme le duc Lucas Abel, ça doit être vraiment merdique comme boulot. Je ne comprends pas comment les gens supportent le duc. Il possède toute une armée. Il contrôle la mine et il a le soutien de la capitale. Et voilà. Invité à sa table, les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la cour tout en essayant de se couler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier inondé. Je sais que vous avez eu la vie dure, Megan. J'irais souvent à travers Dunwall incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaca m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Après avoir éliminé le duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. D'accord. Je viendrai vous récupérer à bord du canot. Ok, donc... On va s'occuper de ça. Nouvel indice de mission, pas besoin d'indice. Monter sur le canot, oh, c'est fait. Éliminer le duc Abel, accéder au Grand Palais. Donc comme d'hab, il y a la fouille. Alors on va commencer, c'est par ça. C'est pas... Bon bah du coup on ne sait pas où il faut aller. Est-ce qu'on fouille beaucoup ou est-ce qu'on ne fouille pas beaucoup? J'ai municipal ici. Quand la marchandise arrive, faut qu'elle part aussi. Il y a trop de risques que la grande garde fasse une descente. Pas sûr que ce soit des ennemis, par contre il y en a deux là-bas. C'est un civil. Pour une fois, j'aimerais que ce soit elle qui paie sa tournée. Une seule fois. Vraiment trop demandé. Alors. Si ça pue, c'est celui-là. Quoique je tente très bien celui-là. Au mur du Grand Palais à partir de ce jour.
Vous avez été prévenu suffisamment à l'avance, monsieur. Vous auriez dû déménager. Il y... Oh ! Oh, ce carnage ! Vous ne vous échapperez pas ! Alerte ! Oh merde ! Vas-y, tape. C'est exactement ce qui... D'accord, bon, j'arrive pas, je suis vraiment trop mauvais. J'en ai marre. Le Mirador a repéré quelqu'un. Ok, ok, on a fait un carnage complet. Ouais, non, on partait super mal. C'est dommage, ça partait pas trop mal. On peut en lier combien? Parce que je voulais en lier, puis il y a semé derrière. Le problème, c'est que le mauvais est passé devant et on s'est fait griller. Ah, mais on va pas si loin. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Alors, on liait combien? Par décret du duc, plus personne ne peut résider dans les bâtiments contigus au mur du Grand Palais à partir de ce jour. Vous avez été prévenu suffisamment à l'avance, monsieur. Vous auriez dû déménager. Il y a trois ridicules décrets par semaine. Je n'y ai pas prêté attention. Vous auriez dû. Maintenant, laissez-nous travailler. Merci. Bon, celui-là, je vais le mettre de côté. Elle arrive ou pas? Lié. Voilà, on a deux morts. On a deux morts. Les liens sont assez pratiques, en fait. Pourquoi c'est ça? Pourquoi j'ai... Bon, on va commencer par là. Ah, rue du Charme. 33 mètres, 65 mètres. Bon bah il va être là-haut. C'est par là. On avance de façon sereine ici, je sais pas pourquoi. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ça pourrait être n'importe quoi. Faut que je surveille mes arrières. Quelle journée! Et le dîner a été servi en retard. C'était un coup de feu. Oh putain. Donc on peut en lier que deux. Mais c'est pas grave, on a eu les trois. Et quoi dans le placard, y a rien. Waouh la vache. Oui, j'hésite pas à tirer. J'ai entendu du... C'est carné après là. C'est quoi ce délire? Il y a du monde? Bon, j'avance sereinement quand même si je le suis pas. Charme qui nous donne un charme qui nous donne atterrissage solide, sacrifice. Alors tuer des rats ou des mouches de sang fait gagner du mana. Ah c'est bon ça. Ah ouais,
5 sur 5, on en faudrait peut-être en acheter. Faudrait... Ah, sérieux. J'ai tout tué en plus. D'où il vient lui? Il était caché là où je... dans un endroit où j'ai pas fait gaffe. Donc, j'ai envie de dire évidemment. Allez, on lit. On a eu 23 pièces. Donc là, faudra aller là-bas. Alors, il me faut celui-là. Non, je vais aller jusque là-bas. Non. Je vais aller là-haut. Bon bah tant pis. Voilà, bon on peut pas y aller. Pour l'instant en tout cas. Bon, on a eu ce qu'on voulait. On a tout fouillé, oui, on a tout fouillé. Bon, j'en sais rien. Tant pis. Y'a rien. Donc là, c'est là-haut. Faut que je pense à sauvegarder. Oui. J'en ai plus. Ah, hein ? Il y a déjà une chose de faite. Deux choses de faites. Quelque chose. Ouh. J'entendais pas. Un cadavre ici. Hein? Je suis désolé. Sérieux. La grande garde, la grande garde. Mais j'ai désactivé pourtant normalement. Je comprends rien à ces alarmes. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon bah. On va down. On avait sauvegardé juste avant, de toute façon j'ai pas compris le coup de l'alarme là. Normalement on a recablé donc on devrait pas, on devrait être désactivé. Elle aurait dû être en tout cas. Bon tant pis. On n'est pas allé bien loin de toute façon après la sauvegarde. J'espère que c'est rien de grave. Non, 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 c'est pas grave. Peut-être rien du tout. Ça, c'est bon. Voilà, une autre chose de faite. On re-sauvegarde, hein. Faut aller là, mais faut le désactiver.
Là, c'est un civil. Bon, bah, on va pas avoir le choix. À un moment, il faudra y aller quand même. Impossible! Quelque chose. Oh non! C'est passé ici? Qui a fait ça? Oh. Que... Pardon, j'ai reçu une aléa. Il y en a un là. Inutile de courir. Tu vas crever. Ah, viens. Voilà. Non. Oh, non, non, non. Bah si, mais par contre, c'est pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Bon, on a généreusement attaqué un garde ici. Là, on a récupéré la clé de l'appartement et une hurleuse. D'accord. Ok. Putain, je sais pas la route là, c'est assez bizarre. Bonjour. Attention. Oui, bah calme-toi. Alerte. Alarme. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es sérieux, encore des glands là? Mais on va faire un truc, toi. Oui, bah tu me saoules, je suis désolé. Tu cries alerte, j'aime pas. Non mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a buté? Qu'est-ce qui m'a vu? Ah, le truc là-haut, putain. On n'a pas sauvegardé, on a sauvegardé loin, c'est ça? Ah la vache. Oui, c'est dur, je suis mauvais, c'est la galère. Donc, il est là, il faudrait que j'arrive là-haut. Moi, bien sûr, comme toujours. J'espère que c'est rien de grave. C'est peut-être rien du tout. Non, c'est rien du tout, mais... On va y aller en forme d'ombre, on va le refaire. Sérieux, c'est relou ça. Quoi? Que quelqu'un vienne m'aider. Non mais tais-toi, on s'est fait un par là-bas. Non, repérez quelqu'un. Même pas ça, je ferais mieux d'aller voir. What? Vous ne vous échapperez pas. D'accord. Bah c'est encore rouge. On va se cacher un peu. Tant que c'est rouge, hein, c'est blanc. Il ne me voit plus. Et là, il tourne. J'ai désactivé ça. J'ai glissé un peu fort, là. Il n'y avait pas une hurleuse, là, par là? On va se cacher là. Putain, j'y pensais pas, à ça. Bah oui, évidemment. Hé, hey, qui êtes-vous? Arrêtez! Alarme! Qu'est-ce qui se passe? Je suis réduit. Ouf! Bon, il sait qu'on est là.
Ah merde, grillé. Ah, fais chier. Faites gaffe. Attention! Non mais je t'emmerde. C'est non négociable. Et ce sera là-haut. Donc moi, faut que je grimpe. Je peux pas grimper là? Non, je peux pas grimper là. Donc on va grimper. Là-dedans. Les cartouches. Ah, voilà. Aller là-haut, moi. Comment on va là-haut? Je suis coincé. D'accord. Pas du tout, quoi. On peut pas. Eh ben la vache! Voilà, ça c'était la galère! Ah! 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 Eh bien, il était minuit 6 là, il est quelle heure? Minuit 24, ouais, je suis dans les mêmes heures! Bref, moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode par ici. Allez, ciao tout le monde! Ouss.